Nationale congolaise, ici représente. Le programme de ce jour se présente de la manière que voici. Nous allons débuter par une prédication. Juste après, suivra les dépôts des gerbes de fleurs et le recueillement. Et interviendra enfin les départs pour l'aéroport international de Goma pour le rapatriement de la dépouille mortelle à Kinshasa. Pour rien, à vos ordres. En tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ce serviteur-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, celui qui, la ceinture autour des reins, le fera prendre place à table et passera pour le servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure que vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. C'est la parole du Seigneur. Excellences, Monsieur le gouverneur de la province du Nord-Kivu, mon général, Monsieur le commandant de la 3e zone de défense et commandant d'opération, mon général, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les membres de la famille du général Tinkobo Moulamba Ghislain, très chers frères et sœurs ici présents, pour la cérémonie d'adieu à notre cher commandant, le général Tinkobo. Tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le maître viendra. C'est par cette interpellation que s'est achevé l'extrait de l'évangile de Saint-Luc que nous venons d'entendre. Elle nous prévient que Dieu intervient souvent dans notre vie par des voies insondables et à des moments vraiment inattendus. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu s'est manifesté comme faisant irruption dans la vie des hommes, sans que ceux-ci ne puissent y attendre. C'est ainsi qu'il avait agi avec Abraham lorsqu'il lui dit « Quitte ton pays, tes enfants, pars vers le pays que je t'indiquerai. » Nous le trouvons dans Genèse 12, verset 1. Aujourd'hui, Dieu fait irruption dans notre vie et nous redit la même parole à travers le général Tinkobo Moulamba Ghislain en lui disant « Quitte ton pays, quitte ta maison,
Quitte ta famille, quitte tes amis et va là où moi, ton créateur, je te veux. Et celui-ci, comme l'avait fait Abraham, a répondu par un oui inconditionnel. Il a obéi à la voix de Dieu qu'il a appelé. C'est Dieu dont nous parlons plus souvent que nous ne le connaissions d'ailleurs. C'est Dieu dont nous contentons le plus souvent de connaître par oui dire plus que par le cœur. C'est Dieu qui a mis en marche Abraham et par lui, l'humanité tout entière, croyant et incroyant y compris. Et cette obéissance, c'est ce que la fragilité humaine appelle la mort. Cet événement douloureux, cet événement fatal qui nous attend pourtant chacun à son tour. La mort, mes frères et sœurs, n'est qu'un exode. Elle est un passage qui, après une vie longue ou courte, peu importe, ouvre la réalisation d'une promesse que le Nouveau Testament appelle une terre paradisiaque, le ciel de Dieu, là où les mythes ne viennent plus nous ronger les corps, là d'où nous sommes venus. Et quand je regarde les quelques mois que nous avons vécu et travaillé sous le commandement du général Tchinko Bojislin, je sens retentir à mes oreilles ces belles paroles de l'apôtre Paul aux Romains lorsqu'il dit « Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. » Romains 14, versets 7 à 8. Je le dis ainsi parce que le général Gislain Tinkobo a vécu parmi nous comme un homme entièrement donné. Un homme donné à sa troupe, un homme donné au Fardessé, un homme entièrement donné à la République démocratique du Congo. Manifestement, il n'avait vraiment pas de temps pour lui. Il était tout souriant, disponible pour tout le monde. Devant lui, tout le monde avait une place, gradé ou pas, militaire ou civil. Entièrement voué à son travail, le commandant de la 34e région militaire est mort, prêt à servir. Je dirais, il est mort en servant. De son vivant, nous l'avons vu sillonner monts et vallées dans tous les territoires de la province du Nord Kivu. Il avait un sens aigu de son identité militaire. De tout son séjour ici à Goma, en tout cas moi personnellement, je ne l'ai jamais vu en tenue civile. Toutes les fois que je l'ai rencontré, il était toujours dans sa tenue militaire, je souligne la tenue de combat, avec laquelle il était sur tous les fronts, à la recherche de la paix, à l'accomplissement de sa mission. Il nous laisse ainsi un bon exemple à suivre. Nous qui devons poursuivre le combat avec la conviction que la victoire ne tardera pas à venir. Le général Gislain Tinkobo y a cru et s'y est investi. Raison pour laquelle il a voulu tout donner. Un enfant répondait à son catéchiste dans une paroisse et lui a demandé pour lui, pour cet enfant, c'est quoi la mort? Et l'enfant avait répondu en disant: la mort, c'est ce que l'on donne quand on a tout donné. À son tour, le général que nous accompagnons aujourd'hui vient de signer de sa vie ce que cet enfant avait dit. Il vient de donner, il vient de tout donner jusqu'à ce moment. C'est par cet acte qu'il rejoint la cité céleste. Il vient de changer d'adresse des citoyens congolais. Il devient désormais citoyen du ciel, membre de la famille de Dieu. Pendant que nous étions en deuil, dans son enclos,
J'ai entendu par mon oreille curieuse des gens qui disaient, c'était en Swahili, Kwangumie, général alikuwa chef wa kazi na baba. Hapa, vous suivez les commentaires, bina poteza ngambo mbili, si jouet nilie je naishiwa. Ces paroles ne peuvent venir que d'un cœur qui a beaucoup bénéficié de largesse du général que nous plairons aujourd'hui. Rendre service pour lui était sa manière de voyager ici sur la terre. C'était sa règle d'or pour passer de ce monde à son père. Pour lui, servir était autre chose que faire quelque chose tout simplement, ou faire quelque chose comme un agir public, un agir charitable. C'était pour lui l'être le plus profond. Il ne vivait que pour le service. Il n'attendait qu'on lui demande quelque chose. Il défonçait parfois nos demandes. On rachérit les commentaires. Il ne vivait que pour rendre service, sans préciser même le moment et peut-être la voie. Cette vie vécue en état de service, en état de course pour secourir l'autre, toujours avec joie, et le mode de vie que je vais vous suggérer à vous tous, militaires comme civils, chrétiens comme non-chrétiens, croyants comme non-croyants. Vivre pour soi, oui, mais surtout, vivre pour les autres. Pour certains parmi nous présents ici, la mort est une porte qui se ferme définitivement et n'ouvre sur rien plus tard. C'est leur droit d'avoir une opinion. Pour nous chrétiens, Jésus-Christ est venu du grand jour de l'éternité pour introduire notre temporel au grand jour éternel. Nous croyons fermement que nos pauvres corps qui s'envolent, Dieu les introduit dans la vie éternelle. Nous croyons qu'aujourd'hui, dans la mort du général Ghislain Tshinkobo, est semée la vie. Nous croyons que Dieu se sert de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort et que par la mort, la vie n'est pas détruite, mais transformée. À bien entendre ces textes, la mort n'existe pas. Bien sûr, il y a la mort corporelle et qui nous fait pleurer aujourd'hui à cette heure. Mais la mort, c'est comme une porte, un passage vers le pays de la liberté. Et si pourrais-je terminer par ces mots du poète Benoît Marchand, dans son poème sur le deuil et la perte, il dit « Quelqu'un meurt et c'est comme des pas qui s'arrêtent. Mais c'est un départ pour un nouveau voyage. Quelqu'un meurt et c'est comme une porte qui claque. Mais si c'était un passage souffrant sur d'autres passages, quelqu'un meurt et c'est comme un arbre qui tombe. Mais c'était une graine germant dans une terre nouvelle. Le général Tshinkobo Mulamba Ghislain meurt et c'est comme une invitation à rester en tenue de service, car nous recommandons le Christ, veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Seigneur, le général Tshinkobo quitte sa demeure terrestre, laissant derrière lui la souffrance de ceux qu'il aime affectueusement. Donne-nous de garder son souvenir, non pas dans l'amertume de ce que nous perdons ou dans le seul regret du passé, mais dans l'espérance du royaume où tu nous rassembleras par Jésus, le Christ, notre Seigneur. La prière de clôture sera prononcée par l'aumônier protestant. Général Tshinkobo Ghislain. Yango to sengi kolo nzambe. Sunga biso obatela biso. Mokolo okopenga bana na yo nyoso oyo. Ezala mokolo oyo olengeli bango kukose bango na kati na bokonzi na lola. Yasuka papa yamba molimo na ye. Ete mokolo moko tango kobenga biso tokutana na ye na kati na bokonzi na batela pe baofele oyo atiki batela pe veve oyo atiki
Merci les amis de l'aumônerie. Se prépare la communauté du Grand Kassai.
clan Kassai dépose la jambe de fer. La communauté du clan Kassai, si vous n'êtes pas prêts, nous passons avant.